En vrai, je sais plus quoi dire par rapport à Twitch. Twitch est rendu un peu n'importe quoi par rapport aux catégories de chaînes, ce genre de contenu également. C'est pour cette principale raison-là que j'ai décidé de faire une journée spéciale entièrement dédiée à ces imbéciles-là qui jouent avec le système de Twitch. Bien sûr, tout le monde a le droit de faire le contenu qu'il désire sur Twitch, avec certaines limitations également. Mais il y a tellement des petits streamers qui se font maltraiter, si je pourrais le dire ainsi, par Twitch, et qui se font bannir pour des raisons complètement stupides, alors que dans leur règlement, c'est bien indiqué qu'on peut pas mettre du contenu sexuellement explicite. Pourtant, il y en a plein qui en font, puis ils ont un passe-droit. C'est pour cette raison-là, en fait, que j'ai décidé le 25 juin de déconner et de me foutre la gueule de Twitch, parce que c'est ma façon à moi de protester. Également, je le fais pour tous les autres streamers qui, d'ailleurs, ressentent une pression à cause de Twitch, et surtout les gars aussi. Il y a des fois, ces femmes-là, sur leur chat, il y a des gars qui arrivent et ils commencent à leur dire « Voilà, mets-toi en bikini, mets-toi en ci, mets-toi en ça. » Pour la simple et bonne raison que eux ils veulent voir ça et c'est tout ce qu'ils voient sur Twitch. Mais en même temps, il faut... je sais pas. C'est plus la même plateforme que moi j'ai connue quand j'étais jeune. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de foutre de la gueule totalement de ces gens-là et de Twitch. Même si je suis sur cette plateforme-là, ça veut pas dire non plus que j'adhère à tout ce qu'ils font. Donc voilà, c'est ces explications-là que je sors pour le 25 juin. Donc j'espère vous voir tous le 25 juin pour vous foutre soit de ma gueule ou soit de la gueule de Twitch également. Parce que moi, c'est pour cette raison-là que je le fais. Puis je le fais également en support à ceux, aux streamers qui continuent de faire ce qu'ils font. Sans pour autant se mettre un gros décolleté ou être sexuellement explicite. Ils partagent justement leur amour pour les jeux vidéo. Qui aiment parler avec les gens en général. Et c'est important pour eux qu'il y ait des gens comme moi qui les supportent en faisant ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire par rapport au 25 juin. Donc, 25 juin, il va avoir quoi? Il va avoir une piscine, il va avoir moi, un bikini, Maurice, il va avoir un ballon de plage et il va avoir d'autres choses également. En vrai, Twitch, s'ils veulent devenir comme une chaîne de porno, en vérité, ça me dérange pas. Même moi, j'en regarde du porno. Eh oui! Hey chérie, qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Hey, écoute, c'est juste scientifique là, ce que je fais. C'est des recherches. C'est rien de mal. Hein? C'est de la science. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Peace, guys.